Ni Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uherutse gutsindira manda ya kabiri. Imanda yiyamamajemo asezeranya abaturage b'igihugu cye mu gihe cyose ngo bazamuhundagazaho amajwi ngo yiteguye rero gutangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no gucana umubano n'iki gihugu cy'igituranyi. Ariko kandi ibi byongeye no gukomozwaho noneho n'ukuriye intego nshinga amategeko aho nawe yahamagariye abaturage bose ngo guhaguruka bagatangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi rero ibyo yiyamamaje avuga yongeye kubisubiramo ashimangira ko nta bwiyunge akeneye kugirana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikagaragaza ko abagiye bavuga kenshi ko uyu Tshisekedi yaba yarashakaga amajwi. Ibi rero biratandukanye cyane kuko na nyuma yuko atorewe kuyobora iki gihugu cy'abaturanyi yongeye gushimangira ko u Rwanda atazigera na rimwe agirana umubano narwo. Anakomoza ku bijyanye n'amakuru yatangazwaga ko yaba agiye kugirana imishyikirano n'abarwanyi ba M23. Tugiye kuba rero tubikomozaho muri inkuru yacu yose ko yakabaye watangiye umwibonera unamwumva mu majwi. Tugiye kubikomozaho tugenekereze kubivunagura tubibabwire mu magambo make nk'ibisanzwe. Ni Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangaje ko nta bwiyunge igihugu cye gikeneye kugirana n'u Rwanda. Ibi rero nibyo yatangarije abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo ikinjasa kuri uyu wa 30 Mutarama 2024. Tshisekedi yabwiye aba badiplomate ko u Rwanda ngo rugenzura igice cy'ubutaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bityo ko mu gihe rutakivuyemo ngo nta biganiro ibihugu byombi bishobora kugirana. Yagize ati nta biganiro bishobora kuduhuza n'u Rwanda mu gihe rugenzura igice cy'ubutaka bwacu, ntabwo tuzemera ubwumvikane ubwo ari bwo bwose. Tshisekedi yavuze aya magambo ni nyuma yaho mu cyumweru gishize yagiranye n'ubundi ikiganiro na Perezida João Lourenço ni ku ngingo zirimo izirebana n'umutekano muke wanatumye umubano w'u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zamba. Leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo igashinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera muri iyi ntara, rimwe na rimwe rero ukavuga ko iki gihugu cyayiteye kigenzura ibice byo mu burasirazuba. Ibi ni ibirego icyakora cyo guverinoma y'u Rwanda yahakanye kenshi, igasobanura ko ibyo abayobozi bo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo baba bavuga ngo birimo ukwirengagiza ukuri kugaragarira buri wese kandi mu buryo bworoshye. Perezida Paul Kagame ubwo yatangizaga inama y'igihugu y'umushyikirano hari tariki ya 23 Mutarama 2024 yagize ati mugerageze mukora ubushakashatsi mubaze mukora ubutasi, ntabwo u Rwanda rwateye iyi ntambara mu buryo bwa ari bwo bwose. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ibirego ariyo turufu Tshisekedi yabonye yo kumufasha mu kwikuraho ikibazo cya M23 gikomoka ku ngaruka z'amateka y'urwango n'ivanguramoko byaranze uburasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Usibye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kenshi n'abayobozi batandukanye bano mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi bagiye bagaragaza intandaro n'umuzi w'ibibazo biri hariya mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihabanye n'ibyo iki gihugu cyakunze gushinja igihugu cy'u Rwanda. Hagati aho kandi ni muri iki kiganiro Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagiranye n'abo bambasaderi hariya ikinjasa yanakomoje ku bijyanye n'amakuru yemeza ko yaba ngo yifuza kugirana ibiganiro na M23. Perezida Tshisekedi akaba rero yatangaje ko nta biganiro ibyo ari byo byose ateganya kugirana n'inyeshyamba za M23, maze icyo gihe yanabivugaga n'ubundi ashinja igihugu cy'u Rwanda ngo ko cyaba kiri inyuma y'uwo mutwe witwaje intwaro wa M23. Yagize ati nta biganiro bishobora kubaho kandi nta n'ibyo tuzagirana n'uwaduteye mu gihe cyose akigenzura igice cy'ubutaka bwacu. Nguko rero uko byifashe, ni Perezida wa Kongo ngiye gusaba abayobozi barimo ab'umuryango w'abibumbye, abo Afurika yunze ubumwe ndetse n'imiryango y'ibihugu by'akarere gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda na M23, akavuga ko bavugereye ubusugire bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi rero yashimangiye ko ingabo za Kongo Kinshasa FRDC ngo kuri ubu ngubu zirajwe inshinga no gukurikirana umwanzi w'igihugu cye ngo hatitawe rero ku gihe
kugihe ngo bizafata gagomba gutsinda intambara ku kiguzi icyari cyo cyose. Tshisekedi yavuze ibi mu gihe imirwano ikomeye n'ubundi kandi irakomeje rwose gusakiranya M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo iza FARDC, FDLR n'abacancuro imitwe ya Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'umuryango wa SADC bose bararwana ku ruhande rwa leta. Kuva mu cyumweru gishize imirwano y'injyana muntu iri kubera mu bice bya Miso, Mushaki na Karuba ho muri teritwari ya Masisi. Imirwano bivugwa ko kuva mu mpera z'icyumweru gishize yicuyemo ingabo nyinshi cyane rwose zo ku ruhande rwa leta. M23 ku ruhande rwayo irashinja izi ngabo kuba zikomeje kwigabaho ibitero zifashishije intwaro ziremereye drone ndetse n'indege z'intambara. Ni ibitero uyu mutwe kandi uvuga ko bikomeje kugwamo abasivile benshi cyane, ukananenga umuryango mpuzamahanga kuba ntacyo uvuga ku biri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero ngibyo ibiri guturuka i Kinshasa. Twanakomoje ku makuru avuga ko muhagarariye Inteko Nshinga Mategeko Christophe Mboso nawe aremeza ko bagomba guhaguruka bagatangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Ibiro ntabwo bikivugwa na Tshisekedi wenyine. Je ne pourrais m'appesantir sur la paix et la sécurité en Afrique sans évoquer la crise sécuritaire qui sévit à l'est de mon pays. Depuis près de 30 ans, des forces négatives ainsi que des groupes terroristes étrangers sèment la mort et la désolation dans cette partie du territoire national. Cette horreur n'est toutefois pas imputable qu'aux forces négatives et terroristes, mais également à des gouvernements, notamment celui du Rwanda, dont la responsabilité dans cette tragédie a depuis de nombreuses années été établie. S'agissant de cette crise, et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par la coalition composée des forces de défense rwandaises, les RDF en sigle, et du groupe terroriste du M23, la position de mon gouvernement se résume en 4 points, à savoir: premièrement, mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Troisièmement, le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. À cet égard, je tiens à souligner que la République démocratique du Congo a respecté tous ses engagements souscrits dans le cadre de ce plan. Cependant, le Rwanda a, comme dans ses habitudes, manqué aux siens en empêchant l'exécution du plan de paix de Luanda et de Nairobi. À ce jour, les forces de défense rwandaises continuent à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol, comme l'attestent les rapports des groupes d'experts de l'ONU sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les clichés tirés des drones de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda.
Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Et tant que cette situation perdurera, les forces armées de la République démocratique du Congo demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite, et ce, jusque dans leur dernier retranchement. En d'autres termes, nous n'accepterons aucun compromis, quel qu'il soit, qui n'aurait d'autres objectifs que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aucun compromis qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais à la vie et à la pleine jouissance de ses richesses. C'est pourquoi il est impératif aujourd'hui, par-delà le soutien considérable et la ferme condamnation de cette agression étayée par les rapports du groupe des experts des Nations Unies, que la communauté des nations passe à l'action. Je lance ainsi un appel pressant aux instances onusiennes, à l'Union africaine et aux organisations régionales pour que soient initiées des sanctions ciblées à l'encontre des responsables rwandais et ceux du mouvement terroriste du M23 qui s'adonnent à la violation de notre souveraineté. En l'absence de telles sanctions, conformément au droit international, le Rwanda et ses alliés persisteront dans leur défiance face à la stabilité internationale sans craindre des répercussions. Avant de refermer ce chapitre consacré à l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, je ne pourrais manquer...